Bonsoir, je suis Lord Poulpi. Et bien sûr, Beat Cop. Un jeu l'on incarne un policier. Féru de justice, ou pas, je ne sais pas. Peut-être de donuts aussi, je ne sais pas. Hein. Regardez ce donuts qui vibre comme un cœur palpitant. Est-ce que c'est de la confiture à la fraise qui coule? Ou est-ce que c'est du sang? À toutes les unités, 10-31, cambriolage au 250 Oak Street. Générique de toute beauté. New York sous la pleine lune. Diamant du sénateur disparu. D'après des sources officieuses, le chef du NYPD aurait démis l'inspecteur Jack Kelly de ses fonctions et l'aurait rétrogradé au rang de simple agent. L'inspecteur du NYPD, Jack Kelly, qui a abattu un cambrioleur au domicile du sénateur vendredi dernier, serait impliqué dans la disparition de précieux diamants du coffre du sénateur lors de cette nuit tragique. Commissariat 69, Brooklyn, New York, 1986. Jour 1. Nouvelle godasse. Je suis sûr que vous avez déjà salué notre nouveau collègue. Mais tu peux te présenter quand même, Kelly. Je m'appelle Kelly. Jack Kelly. Salut, Kelly. Ça roule. Salut, Kelly. Retour dans la rue, hein, inspecteur. Ha! Et oublie pas de nous lécher les bottes, Kelly. Qu'est-ce qui te fait marrer chez Pansky? Rien, chef. Alors utilise tes deux neurones pour noter ça. Ne revenez pas sans avoir mis au moins 10 PV. 10 à nous tous? 10 chacun? T'es con, McNab, ou tu le fais exprès? Sans problème, chef. Lèche-cul. Toi, t'es dispensé, Kelly. Pourquoi, sergent Loway? Vous avez pas confiance? J'en ai rien à foutre de ton passé, inspecteur. Ni de savoir si tu as buté ce pauvre type. Ou de si tu as piqué des trucs chez le sénateur. Ça regarde l'inspection des services. Ils font leur enquête. Mais dans ce quartier, tu débutes. Et je me suis pas encore fait mon idée sur toi. Alors ne t'occupe pas des PV aujourd'hui. Inutile de prendre ton carnet à souche. Mais tiens-toi à carreau quand même. Me fous pas la merde. Tiens, l'inspecteur est le nouveau chouchou du chef. Je te conseille d'écrire mes instructions. Parce que je vais pas me répéter. Oui, chef. Tu dois rencontrer les gens importants de ton secteur. Passe au café de Rick. Puis à la pizzeria de Louis. Au magasin d'alcool d'Ivan. Passe le bonjour à Adamski de ma part. Fais un tour chez Air Crank. Ah, et au magasin de Hi-Fi aussi. Il trouve toujours qu'on le néglige, celui-là. Et surtout, n'oublie pas l'église. Tu dois absolument te présenter au père Mushroom. Et passe aussi à la laverie, à côté de l'église. Tu as tout noté? Bien. N'hésite pas à parler un peu à tout le monde, parce que c'est ton secteur. C'est la base du boulot, pas vrai? Ton prédécesseur va te faire faire le tour. Fat Mike connaît le quartier comme sa poche. Il va te mettre au courant de tout. Ton indicatif est le 421. 421, bien noté, chef. Pour les autres, pas de dispense. Ouais, oublie pas de passer à l'église. Et prie que le chef continue à t'avoir à la bonne. Parce que ça va pas durer. Assez déconné.
au boulot. Eh ben, il y a une bonne ambiance. En même temps, si je suis suspecté d'avoir volé des diamants... Ah, il n'en faut pas plus, hein, pour être un petit peu maltraité par ses collègues. On va leur parler un petit peu. Toi, t'es un semi-blaireau. Le vieux est vraiment en rogne contre nous. J'étais contre qu'on picole au commissariat. Picoler, c'est pas grave, mais montrer ton cul à la fenêtre, grosse erreur. Ils m'ont forcé, j'allais pas me dégonfler. Et demande à Cortez pourquoi il a écrit « M au chef » sur ton cul. Quoi ? T'as voulu dire « Merci au chef » ? Ah, la franche camaraderie. Et toi, par contre, t'es un gros blaireau, toi. Kelly, passe le bonjour à Louis, sa pizzeria est dans ton secteur. Et toute la carte est bonne, pas que la pizza. Fais-moi confiance. Ouais, je lui dirai qu'il te manque. Ah non, ça a été finalement. Alors Cortez. Ma femme ne comprend rien au boulot de flic. Toi, le même problème, McNab ? Non, avec moi, ta femme parle pas boulot. Oh, ça gaze. Ah, hein, la camaraderie virile. Ouais. Alors la petite blonde, là ? Cortez, tu peux rentrer les meubles, s'il te plaît ? La peinture est sèche. Et pourquoi les peintres, ils l'ont pas fait ? Ils sont partis sans rien dire et ils avaient pas les yeux en face des trous. Ils ont laissé un paquet de bouteilles et un sacré bazar. Et en quoi fait mon problème ? Sois un homme pour une fois ! Toi, tout est féministe, sauf quand il faut bouder les meubles. Suffit les conneries, tout le monde au boulot. Ok, on y va, chef. Mon premier jour. Kelly, on t'a déjà tout expliqué au briefing. Passe chez tout le monde et présente-toi. Ok. Et puis Fatmac te donnera des tuyaux. Parce qu'ici, t'es plus un ponte d'inspecteur. C'est ce qu'on verra. T'as été trop gourmand chez le sénateur. Enfoiré. Merde, c'est Poli ton nom, c'est ça ? Kelly, Jack Kelly. Ouais, bref. Moi, c'est Mike, Fat Mike. Appelle-moi comme tu veux, je m'en branle. Je suis ton babysitter aujourd'hui. Ordre du chef. Alors autant en finir au plus vite. Ça me va. C'est mon dernier jour dans le quartier. Suis-moi. On va où ? On va bouffer un truc chez Louis, c'est tout près. On passera chez Adamski, c'est sur le chemin. J'ai dû intervenir chez lui hier. On va vérifier que tout va bien. 421 sur zone. Votre indicatif est le 421. Mémorisez-le bien. Salut Fat Mike de ma part. Je crois qu'il s'en fout, non ? Sans doute, ouais. Bonne journée, 421. Alors, Fat Mike, il est parti à gauche. Un très beau quartier new-yorkais, hein ? Ouais, un petit peu un quartier... multiculturel, semble-t-il, hein ? Ouais, il y a des roux, il y a des blacks, j'ai cru voir un asiatique, là. Hein, probablement. Oui, là aussi, c'est un asiatique, ça. Je suis parti où ? D'accord, les gens parlent à voix haute et tous les gens sont fous. Voilà, il y a un headbanger là-haut. Ici 421, quelque chose pour moi ? Mike vous attend chez Adamski. Où ça ? L'épicerie Adamski. Au 615. Dépêchez-vous. J'y vais, terminé. Ok, donc je suis parti du mauvais côté. On peut courir. On peut courir en double kickant et on a une barre d'endurance. D'accord. Oh, c'est donc ici. Il m'a pas attendu dehors, le salopard. Bonsoir, monsieur Adamski. Rien à signaler aujourd'hui ? Rien du tout. L'idée du frigo était un coup de génie. Le frigo ? Je te raconterai plus tard. Voici Polly. Il me remplace à partir d'aujourd'hui. Kelly, je suis transféré dans un autre secteur. Bienvenue, monsieur l'agent. J'espère que vous passerez me voir de temps en temps. Oui, bien sûr. Entre dans les magasins et parle au proprio. Ils voient tout, ils entendent tout. Bonne idée, c'est mon secteur maintenant. C'est moi qui fais la loi. Et surtout, ne te stresse pas trop, t'auras pas à faire ça tous les jours. Il y a des jours, il y a de quoi devenir dingue dans le coin. Tu verras, tout le monde trouvera quelque chose à te demander.
À toi de voir si tu veux te la couler douce ou pas. Parce que tu peux pas régler tous leurs problèmes. Il en dit quoi, le sergent? Il a pas à savoir si tu te fais un peu de blé discrètement. En dehors des objectifs et des PV. Non, parce que c'est pas les PV qui paieront ta retraite. Bon conseil d'amis. Alors c'est quoi cette histoire de frigo? Pas tes affaires, Polly. Kelly. Quand tu connaîtras mieux le coin, tu comprendras. De temps en temps, faut faire preuve d'imagination. Bien, on va passer à la pizzeria de Louis. Sa bouffe, c'est un régal. Ah, c'est ce qu'on m'a dit au briefing. Bonne pizzeria. On va voir. Ah, on t'appelle Fat Mike, je vois pourquoi. Hein. On n'est pas rendu. La pizza, très bien. Oh! Un van de hippie! Qu'est-ce qui se passe? J'ai autre chose à faire aujourd'hui. Ah, tant pis. Allez, pizzeria. Tiens, un nouvel agent. Bienvenue dans mon humble établissement. Je m'appelle Kelly. On sait. Nous, les Italiens, on sait tout ce qui se passe dans le quartier. On est là pour manger une de tes pizzas, Louis. Je suis transféré et Polly est mon remplaçant. J'espère que nous aurons une collaboration fructueuse. Bien sûr. J'espère que ce malheureux incident chez le sénateur... C'est juste un malentendu. Oui, oui, un malentendu. Qui pourrait être dissipé. Nous pourrions vous y aider. Je préfère régler ça tout seul. Ah, bien sûr, bien sûr. Mais sachez que nous pouvons être d'une aide précieuse. Polly est un petit nouveau, mais il apprend vite. C'est Kelly. Et si on passait à table? Je meurs de faim. 15 minutes plus tard. Super pizza. Bon, faut qu'on y aille. C'était vraiment super bon. Louis fait les meilleures pizzas de la ville. Elles vont me manquer. Sûr, il a un cuistot de première. Dans un mois, il me faudra un uniforme comme le tien. Mais fais gaffe, Polly. C'est pas des rigolos, ces Rital. Ah, j'avais compris. Faut être diplomate avec eux. Et tu vivras peut-être jusqu'à la retraite. Comme moi. Hé, Polly, regarde. Kelly. Pour moi, t'es Polly. Un sale chevelu de hippie a pas payé son parc-maître. Faut lui un PV avant qu'il reparte. Oh, t'inquiète pas, ouais, t'inquiète pas. J'ai pas pris mon carnet à souche. Putain, le chef avait raison. Si j'étais pas là, tu saurais même pas aller chier tout seul. Prends le mien. Note l'infraction sur le PV. Et écris aussi ton indicatif et signe. Puis glisse-le derrière l'essuie-glace. Il y a des pigeons qui chient partout là. C'est horrible. Alors, les vieux hippies, comment ça marche? C'est une 1968 Reichswagen hippie. Alors, plaque, pneu, phare... Ah, j'ai pas le droit. Fouiller. Je ne peux pas fouiller non plus. Mettre PV. Phare le parc-mètre. Expiré. Oh, mon con. Oh, t'as petit PV. Alors, t'as PV pour stationnement. Mais on va aussi mettre pour les pneus. Hein. C'est des pneus de hippie, donc c'est forcément mauvais état. Ce sont des belles jantes, hein, quand même. Et puis, alors, les phares, on n'en parle même pas. Hein. Les phares de fonce D. Ah, faut que je remplisse ça, d'accord. Ah, on a un temps limité. Ah. Ouais, ouais, allez hop, on en parle plus. On a dressé le PV, reste plus qu'à faire dégager la voiture. Demande un camion de la fourrière par radio. Oh, c'est tellement bien. Je garde le carnet de souche. Oui, oui. Le chef t'a confié d'autres missions pour aujourd'hui. Ouais, vire-moi ça, là. Comment on fait? La radio. Fourrière. Allez, dégage-moi cette poubelle. Ici 421, centrale, demande camion de fourrière au 609. Je passe l'info. 10-4, le camion de la fourrière est en route.
La fourrière arrive? Ouais. Au boulot? Ah oui. Mais c'était facile. Le conducteur s'est pas pointé. Les pires déboulent et te font une scène. Je les abats, moi. Il faut que tu apprennes à les calmer. Les calmer à coups de pistolet, tu vas voir. Un conseil pour ça? Fais juste bien attention à ce que tu écris sur le PV. Tu te feras engueuler si tu respectes pas la procédure. Oh, d'accord. Maintenant, les menottes. Qu'est-ce qu'elles ont? Tu veux les utiliser tous les jours. Alors, il faut que t'apprennes à menotter un suspect. Il suffit d'attraper les menottes qui sont à ta ceinture quand tu es tout près de lui. Elles sont là! 421, ici Central. On signale un vol au Hardrick. Oh! 10-4, j'y vais. Oh! C'est toi! Alors attends, là, on se met... Et ouais, paf! Oh là là! Vous êtes en état d'arrestation! 10-12, Central, demande voiture pour embarquer un individu. Oh là là, je te monte au taquet. 10-4, voiture en route. Bonjour madame. Au revoir madame. Il faut que j'aille retrouver Fat Mike. Okay. Ici Central, excellente intervention. Maintenant, rejoignez Fat Mike. Il vous attend devant la pizzeria. Ouais, je le vois, il est là, ça va. Je l'ai attrapé, il a fait 10 mètres ton voleur. Pff, je suis trop fort. Bien, Polly, on va pouvoir faire quelque chose de toi. Je m'appelle Kelly. C'est pareil, ce voleur avait tout l'air d'appartenir au gang. Un gang? Ici, on a les Noirs et on a aussi la mafia italienne. Je te conseille de pas déconner avec les uns ni avec les autres. Je suis pas né de la dernière pluie. Ouais, je te préviens juste, il y a deux camps difficiles à gérer ici. Bon, on va se séparer. Toi, tu visites un peu le secteur et tu parles aux gens. J'ai des trucs à faire. Alors, on se retrouve à la fin du service. Ouais, tu vas manger, c'est ça, hein? T'inquiète, t'es pas obligé de tout faire tous les jours. On se retrouve à 4 heures devant chez Louis. Ça marche. Donc là, on a l'heure. Et on doit aller se présenter, c'est ça? Café, magasin... Ouais, un paquet, dis donc. On va un petit peu faire connaissance avec les gens du quartier. Allez, il y a qui ici, là? Bonsoir, monsieur l'agent. Bonjour, je m'appelle Kelly. Ici, ils vous interdisent de boire quand vous êtes en service. Mais pour votre temps libre, j'ai tout ce qu'il vous faut et un prix d'amis. Merci, ça fait toujours plaisir. Ah, je savais qu'on allait bien s'entendre. À bientôt alors. Quand vous voulez. Parfait. Ah, qu'est-ce que vous faites ici, capitaine? Je voulais te parler, Kelly. Je vous écoute. On devrait se voir plus souvent. Merci, capitaine. J'ai pas fini. Je sais que tu as été piégé. Et je veux t'aider. Pour l'accusation de meurtre? Ce type n'était pas un saint. Et on peut plus rien pour lui. Mais cette ville a besoin de toi. Merci, capitaine. J'ai pas fini. Tu es un bon flic, mais c'est à une condition. Ces diamants disparus, il faut les retrouver. Il n'y avait pas de diamants chez le sénateur. Je sais pas s'ils y étaient ou pas. Mais il faut les retrouver. Le sénateur a le bras long. Il peut te sortir de cette sale histoire. Sans lui, on l'a tous les deux dans le cul. C'est pas très catholique tout ça. Tu as 21 jours. Après, je serai à la retraite. Si tu les retrouves pas avant 3 semaines, je pourrai plus rien pour toi. Et en plus, vous me donnez que dalle comme temps. J'avais pas fini. Encore une chose, si mon intuition est bonne, cette affaire va faire du ramdam dans toute la ville. Qu'est-ce que tu regardes? Je savais pas si vous avez fini, capitaine. J'ai fini, alors remets-toi au travail. Ça, c'est mon capitaine, ça.
Oh, le mec, il va dans les ruelles. C'est un beau gosse. On peut entrer chez les gens? Spengler. Oh, comme dans Ghostbusters. Ok, ça répond pas. Venkman, comme dans Ghostbusters. C'est qui? Agent Kelly, juste pour vérifier qu'il n'y a pas de problème. Avec quoi? La sonnette. Très drôle. Sympa. Oh, un pipe-chou. C'est intéressant, ça. Enchanté, agent Kelly. Je viens d'être affecté ici. Je passe juste pour me présenter. Salut. On va peut-être avoir un peu moins de bordel par ici. Le type que tu remplaces en avait rien à foutre de son boulot. Avec moi, ça va changer. Allez, à bientôt. Au plaisir. Ah, un bijoutier. Bonjour, monsieur l'agent. Que puis-je pour vous? Bonjour. Je passe juste me présenter. Jacques Kelly. Je viens d'être affecté dans ce secteur. Je vois. Alors peut-être seriez-vous intéressé par une chevalière? Un agent de police doit avoir de la prestance. Oui, ça impressionnerait sûrement l'héritage. Mais non, merci. Je compte sur vous pour veiller sur ma boutique, alors? Les bijoux précieux, c'est tentant, non? Vous insinuez quoi, là? Les gens parlent. Ne croyez pas tout ce qu'on raconte. Au revoir. Allez, à bientôt! Ah, oh, j'ai pas volé de diamant, calme-toi. Ah, j'ai la cote auprès des citoyens. Très bien, très bien. Quel temps fait-il aujourd'hui, monsieur l'agent? J'ai déjà vu, toi, mince. Branchez-vous sur 96 FM, c'est l'heure de la météo. Oh. Hein? Je vais pas me laisser marcher sur les pieds, moi, je sens. Non, 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 non. Ah bah, ancien inspecteur, quand même, hein. Il y a un petit peu... Il y a d'expérience. Oh, un marchand de drogue, allons voir. Bonjour, Herr Agent. Agent Kelly. Vous êtes superbe dans cet uniforme. Vous êtes malade? Une plaie? Une blessure? Non, je passe juste pour me présenter. Je viens d'être affecté ici. Ah oui, bien sûr. Toujours à votre service. Votre prédécesseur achetait beaucoup de médicaments. Pour des affections intimes? Il négligeait complètement sa santé. Mais il faisait à peu près régler l'ordre. Je ferai de mon mieux. Bluthund, drôle de signe. C'est quoi cette plaque? C'est une plaque de Sgout, un de mes souvenirs de la guerre. Vous avez tout perdu? Malheureusement, mon père a combattu en Europe. Vous auriez pu échanger des souvenirs ensemble. Peut-être. En tout cas, j'offre toujours les médicaments les plus récents. En toute discrétion, bien sûr. Un petit peu louche, lui. Bon, avec un peu de chance, la plaque était un truc en rapport avec les nazis, hein. Ça m'étonnerait pas. Salut. Bonjour, agent Kelly. Les policiers sont toujours les bienvenus ici. Un bon café me ferait du bien. Et un café, hein? C'est la maison qui invite. Oh, trop bien! Merci! Ça, c'est du sacré bon kawa. Bon, c'est pas tout ça. Je crois que le devoir m'appelle. Allez, à plus! Au plaisir! Endurance plus 2! Citoyen plus. Endurance, c'est pour courir plus vite. Ça peut augmenter ma barre, probablement. On peut pas parler aux gens dans la rue, quand même, hein? Allons à l'église. Ici centrale, 421. Un magasin a appelé. Froggy a coincé un voleur. Froggy? C'est où? Je viens d'être affecté ici. 10-4, j'y vais. Oh, bon, on ira à l'église après. On va d'abord aller voir qui l'a chopé, vu que c'est pas loin. C'est pas loin, c'est pas loin. Non, c'est pas loin. Allez, cours, allez, cours. C'est là. Hop. Ah, c'est pas trop tôt. J'ai enfin coincé ce voleur. Je faisais que regarder. Ils disent toujours ça. Du calme, je m'en occupe. Alors, qu'est-ce que tu faisais, mon gars?
Je faisais que regarder. Quoi, les capotes? Voleur. Du calme, Froggy. Je vais t'interroger. Me mets pas en colère, vide tes poches. C'est bien, tu as 5 dollars. Hein. Paie les capotes et dégage d'ici. Mais elles valent 1 dollar. Le reste, c'est ta punition. Sale flic. Tu veux que je te foute au trou avec Mandigo? C'est bon, je raque. Mais j'oublierai pas. Bien joué. Je dirai aux gens du quartier que tu es un flic réglo. Ravi d'avoir pu être utile. Au revoir. Oh là là, le justicier. Gang moins 2, citoyen plus. Ah donc je perds... Je perds la réputation auprès des gangs et j'en gagne auprès des citoyens. Ah d'accord. D'accord, d'accord. Non mais attends, on va pas... Je vais rétablir l'ordre, moi, là-dedans. Et si je peux me faire un peu de pognon au passage, ça peut être pas mal. Dieu te bénisse, mon fils. Bonjour, je m'appelle Kelly. Kelly, irlandais? Par mes arrière-grands-parents. Catholique? De temps en temps. D'accord, on reparlera de ça plus tard. Tu viens d'être muté ici? Ouais, je passe juste pour me présenter. Nous aussi, nous sommes souvent mutés. Tu veux te confesser? Peut-être une autre fois. J'ai déjà mon sergent qui s'occupe de ça. Mais est-ce que ton sergent t'aime comme Jésus? Est-ce qu'il te pardonne? Pas aussi souvent. Repasse si tu as besoin d'un soutien spirituel, mon fils. Peut-être à l'occasion. Un de ces jours. Va dans la paix de Dieu. Ok. C'est quoi ça? Sweater on the wall. D'où autour du trou? Allons voir. Des donuts. Bonjour. Bonjour. Une dizaine de donuts? Pas mon genre. Tout le monde dit ça. Mais personne ne résiste à nos donuts. Alors, donnez-moi un, s'il vous plaît. Juste pour goûter. C'est vrai qu'il est bon. Je vous l'avais dit. À bientôt. Ok, parfait. On peut bouffer, là, c'est bien. Pareil que les PV ont baissé à partir de demain. Tu peux toujours courir. Des apparts, ça. Ah, prêteur sur gage. Yo, yo, yo! Moi, c'est Gérard Diggs. Je suis le proprio. Oh, mon Dieu, ça rime. Agent Kelly. Tout est légal ici, monsieur l'agent. J'ai rien dit. Je sais ce qu'on raconte sur moi. Je suis nouveau ici. Je suis pas au courant. Bienvenue! Chez moi, on fait toujours de bonnes affaires! Oui, mais je n'ai rien à mettre en gage. Ouais, mais j'ai aussi des trucs à acheter! Pas cher! Des super affaires! Je m'en souviendrai. Repasse quand tu veux, Kelly! Celui-là, je ferais bien de l'avoir à l'œil. Ah, on arrive au bout de la rue. Top Gun! Oh! 421, trouvez une cabine téléphonique en vitesse. Le sergent Lou veut vous parler. Ah, c'est le sergent? Ouais. Qu'est-ce qu'il me veut? Aucune idée, mais il n'aime pas attendre. Et puis, ils peuvent pas vous retrouver plus bas. Ou alors ce serait la porte. D'accord, j'y vais. 10-4. Ouais, j'y vais y aller, mais d'abord, je vais finir la dernière boutique quand même. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Bonjour. Je passe juste pour me présenter. Je m'appelle Kelly, je démarre dans le secteur. Enchanté. On a bien besoin de quelqu'un pour faire régner l'ordre dans le coin. La police ne s'occupe pas beaucoup de nos problèmes. Tout le quartier est important pour nous. Ça fait plaisir à entendre. Surtout avec des voisins comme les miens. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ben, le prêteur sur gage, à côté. C'est un établissement légal. Oui, bien sûr. Vous insinuez quoi, là? C'est votre travail de savoir, non? Pas le mien. Je rentre souvent du nouveau matériel et je fais des promos. Je peux aussi passer des commandes spéciales. Je repasserai voir tout ça. Vous serez le bienvenu.
Ah, cabine, allez, on va parler au chef quand même. Ici Kelly, qu'est-ce que vous voulez, Holloway? Oh, putain, tu parles mal à ton supérieur quand même. Sergent Holloway, pour toi, connard! Non mais tu te prends pour qui, enfoiré? Je peux te dire que... t'es à l'œil. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, sergent? Tu te fous de ma gueule en plus, Kelly? Je n'oserais pas, sergent. Ton ex-femme, espèce de petite merde, elle fait un enfer à son père. Apparemment, elle en peut plus de toi. Et du coup, le patron me fait un caca nerveux. Et moi, je veux pas d'emmerde. Paye ta putain de pension alimentaire, c'est compris? Ou je te ratatine les couilles, putain d'Irlandais. Mais sergent, vous ne connaissez pas toutes... Rien à branler! Je veux plus entendre parler de cette histoire, pigé! Oui, chef! Oui, sergent Holloway! C'est bon! Remets-toi au boulot! Oui, chef! Oui, sergent Holloway! Oh là là là! Oh, le mec! Alors, mon ex-femme, elle a des relations, hein! Son père, c'est quoi? Oh, de toute façon, son père, c'est le maire de New York! C'est vraiment classe. Une rose. Je ne peux pas la prendre. Bon, on a quasiment tout vu. Enfin, de ce côté-là, en tout cas. On va retourner de l'autre côté. Il me reste quoi à faire pour cette petite découverte? Passer au café de Rick. D'accord, c'est quoi ça? Pour trouver les diamants disparus, le capitaine s'occupera du reste. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu louche, vos histoires, là. Hein, ça sent la conspiration, tout ça. Liqueur. Oh là là. Hé, hey, monsieur l'agent! Vous êtes nouveau ici? Ouais, je viens d'arriver dans ce secteur. Ah, super! J'adore discuter avec les policiers! Mais j'ai pas le temps, moi! Moi aussi, je veux être policier! Quand je serai grand, hein! Papa dit que c'est un beau métier! Ah ouais? Oui, parce qu'on touche plein de pots de vin! Il faudrait que j'ai une petite discussion avec lui. Il a peur de personne, papa! Écoute, tu es gentil, mais... j'ai pas de temps à perdre. Non, regardez votre montre! C'est comme si le temps s'arrêtait quand on discute! Ah bah oui! Hé, hey, mais t'as raison! J'y vais, un de ces jours! À plus, petit! Petit, tu as une voix un petit peu de grand-mère! C'est fort troublant! Oui, ça j'ai fait, hein, la pizzeria. Ah, on peut parler au Rital. Hé, hey, monsieur l'agent! Ouais? Vous n'êtes pas nouveau par ici? On pourrait vous rendre la vie plus agréable, peut-être? Comment ça? On pourrait se voir, se faire un petit poker. On n'est pas à Las Vegas, le jeu est illégal ici. On n'est pas obligé de jouer pour de l'argent. C'est juste pour se détendre, quoi. J'y réfléchirai. Ouais, bonne saisie. Merci, je dois y aller. À plus. Les Italiens, ils veulent... hein, ils veulent que je vienne leur pote, hein. Ouais. Bonjour, monsieur l'agent. Bonjour, agent Kelly. Je suis le nouveau policier en charge de ce secteur. Bienvenue. Vous serez toujours le bienvenu pour un café. C'est la maison qui régale. Encore du café. Ou quelque chose de plus fort. Merci, je repasserai avec plaisir. Ils sont sympas, les gens. Ça va. C'est un immeuble, ça, ou c'est une boutique? Mais une boutique. Bonjour. Enchanté, agent Kelly. C'est pour un costume? Quelle silhouette de rêve? Je passais juste pour me présenter. Très bien. Excellent. Vous faites un métier dangereux. Mais monsieur Kelly, j'ai la veste en cuir qu'il vous faut. Vous êtes un fou de moto, je parie. Je ne crois pas que le rouge soit ma couleur. Mais merci quand même. Toute ma marchandise est garantie, 100% de marque. Okay. Ouais, ils sont tous sympas, ça va. Ah bah je suis arrivé au bout, voilà. Bon voilà, c'est pas immense, mais il y a quand même de quoi faire, je pense. Hein. Bon, la première journée hein, devrait être la plus calme, normalement. Bon, bien sûr, on peut acheter des hot dogs. J'étais censé retrouver Mike à 4h devant chez Louis.
Ah oui, il est 4 heures. Merde, j'ai pas le temps. Devant chez Louis, bah la pizzeria elle est là. Oui, bah voilà. Ah bah. Alors, Mike. Ah, te voilà. J'ai fait la tournée des commerçants. J'ai discuté avec eux. Je devrais pouvoir me débrouiller. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qu'on attend? Un ami voulait te rencontrer. Qu'est-ce qu'il fout? Oh merde! Polly, couche-toi! Couche-toi, putain! Oh non! Il était un jour de la retraite. Oh, c'est dur. Jacques, je crois que je vais pas m'en tirer. Désolé. Je suis désolé. De quoi? Ça a pas l'air si grave, mec. Tu vas t'en sortir. Mike, parle-moi! Reste avec moi! Un fermier, lâchez cette clope et faites quelque chose! Mais y'a plus rien à faire pour lui! Regardez, il a les tripes éparpillées partout sur le trottoir! Il a perdu trop de sang! Putain! Kelly, pas de vulgarité, les médias sont là! BS News, je peux vous poser quelques questions? Reculez, c'est une scène de crime! Oh, et bah finalement, ça va pas être si calme que ça, hein! Alors, gang moins 3, les gens du secteur sont neutres. Ils ont quand je gagne plus 4 avec les gens du secteur. Mais ils sont encore neutres. Eh ouais. Comment ça, citoyen moins 3? Attends. Je n'ai pas rempli toutes les tâches qu'on m'avait confiées au briefing. Je n'ai pas rencontré les gens qui comptent dans le quartier. Ah bon? J'en ai oublié, hein. Merde. J'ai trouvé le temps de rencontrer aussi les autres. Ça va faire plaisir au patron. Plus 3. Donc moins 3 plus 3, d'accord. Le capitaine va m'aider pour l'accusation de meurtre. Je dois retrouver les diamants. Et si je n'ai pas pris les diamants, quelqu'un d'autre l'a fait. Je dois découvrir qui a liquidé Fat Mike. Cette fusillade n'était pas un hasard. Un gang opère dans le quartier. Je me le suis déjà mis à dos en arrêtant ce voleur. Il me faut $300 dans 3 jours pour payer la pension alimentaire. J'ai reçu mon salaire, argent 50. Je n'ai pas complété mes missions. Mon salaire a été réduit de 25. Ah mince! J'aurais pu gagner 75. Ah, oh, j'ai chié. Mais qui c'est que j'ai pas vu? J'ai pas fait toutes les portes, vraiment. Oh, tant pis! Allez, je vous dis à bientôt pour les suites des aventures de Kenny, l'inspecteur déchu, qui sera, à n'en point douter, faire toute la lumière sur ses sombres machinations et sur ses diamants disparus. Ouais, Fat Mike, je te vengerai, ma gueule. Salut!